Les nouvelles économiques pour ce mercredi 8 juillet. Décision Banque centrale a été annoncée pour commencer à réguler le marché de change là, toujours à printemps. Décision ça a traîné. Et déjà, Banque centrale est capable d'annoncer que décision a attendu jusqu'au 3 août. D'abord, c'était fin mois de juin, qu'on y a un début mois de juillet. Et les pousser peut-être pour début mois d'août. Et quelle difficulté que ça a gagné? Eh bien, il faut arriver à jouer en entente, surtout avec les sous-agents du système de change, de façon pour que Banque centrale en Haïti capable de réguler le marché de change. Donc, d'abord, ou gagner banque qui achète dollars, qui revend dollars, ça c'est le secteur formel. Secteur formel là, vle dit que chaque jour, banque yo achete une certaine quantité de dollars et faut qu'yo revende presque même quantité a, parce que selon loi qui régule banque yo, gagne sa relon position de change et faut change faut position arrivé nul chaque jour. Par contre, gagne un marché informel de sous-agents mais qui sont l'autre marché qui formel non régularisé par la Banque centrale, et là, tout commerçant qui a vendu un goud a cherché de l'acheter. Qui c'était Banque Bolet, qui c'était compagnie qui a vendu gaz, qui c'était commerçant, ils ont même acheté de l'or à n'importe qui prix, et s'il le faut même à un coût qui est intéressant à l'achat, qui fait que il y a plus de monde qui a vendu le même dollar que peut-être qui a vendu dans la banque là. Et qui doit anticiper que le marché après augmenter et yo kembe dollar nan men. Donc ça vient faire que kounya ou gen un marché change à deux vitesses, secteur formel là, banque yo qui kounya d'après quelques chiffres montrer que banque yo contrôlé près de 40% marché change réel là et secteur informel là que qui toujours est un secteur formel dans l'économie hein, mais qui non régularisé par autorité monétaire yo qui yo même yo gen doit acheter n'importe quantité à taux que vous voulez mais sans que yo pas revendre ça acheter à presque chaque jour. Donc kounya vinn gen un marché spéculatif et gen des entreprises qui yo même qui vendent en goud qui besoin dollars pour yo rapatrier bénéfices. On prend gros entreprise ça yo tant que Digicel qui a 20 minutes téléphone chaque jour et si elle centrale oui il y a Haïti mais son compagnie internationale. Deuxièmement ou prend Brana qui c'est qui a 20 boissons et que si elle centrale avec Heineken et à l'extérieur ou prend la Dinesa qui lui-même tout son compagnie qui internationale. Donc pour Kounia, Banque centrale a cherché autorisation de la Fed, la Federal Reserve, pour que Kounia gagne un nombre de cash. Mais problème cash là, ce n'est pas nécessairement problème change là, parce que nous connaissons pendant trois dernières années là, qui c'était pays lock, qui c'était 2019 avec Corona, eh bien, il y a un flux de cash. Le monde qui était qu'on a voyagé, qui a rentré en Haïti, régulièrement on monte coup ta comme le n'a pas rentré rentrer à $500 dans poche nous chaque jour gain 3 400 moun qui rentrer et bien ça te gon on tue au cash qui te qu'on a rentré en dans économie régulièrement chaque jour mais kounyen et avion pas volé même si c'est transfert que moun kon bon enveloppe et qui gain $50-$200 la donne pour capable ba au moun et bien tuyau cache ça là, licencié fermé. Et avec coronavirus là, là les cadenas c'est net. Mais kounyen, économie haïtienne dans tout, toujours a fait transaction avec la République dominicaine et puis fois transaction ça yo, yo fait en cash. Donc tuyau cache la fermé et van cash cap sorti à lui-même, il continue l'ouvert. Donc ça vient tari bassin l'argent cash là qui vient greffé sous problème sous table de devises là mais pour nous retourner gros question de devises là il gain pour ouais avec Jean l'état Jean administration qui dans l'état là qu'on a dépensé l'argent parce que déficit
budgétaire qui créait qui c'est bon problème pour question devise là les augmenter jusqu'à 30 milliards de gourdes et chaque fois déficit budgétaire là augmenté et bien son prime de change c'est un coup son taxe que majorité population les mêmes la paye. Baril pétrole là pour ce mercredi à $40.33, marché boursier après le commencé à 25 752 points, le Nasdaq à 10 555 points et le S&P 500 à 3137 points. Dans le niveau marché change, un euro à $1.12 et dollar par rapport à dollar canadien, fait $1.35 par rapport à la goud haïtienne, le taux d'achat à 111 goud, taux de vente à 113 goud et taux de référence à 111 goud. Mais surtout, taux moyen d'acquisition, qui c'est taux que Banque Yovan Yun Balot qui a acheté Yovan, la 114 goud 69. Maintenant, là où il y a, côté vraiment marché aillé, il y arrive jusqu'à 120 goud que ou capable de vendre et le on sous-âge hein, ou bien yon business a attiré acheter l'argent comme ça, et bien limiter que secteur formel là tout, lui-même lui augmenter. Gens qui sont capables d'acheter dollars. C'est la principale nouvelle économique pour aujourd'hui, Roosevelt Jean-François, du réseau de l'information économique Business. Souris, mais sortant d'EA, surtout pour avoir accès à l'information sérieuse, souscris à la chaîne YouTube, allez faire une recherche sur Roosevelt Jean-François.